Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda Majora's Mask. Aujourd'hui, on va s'attaquer au troisième temple du jeu. Et pour ce faire, nous allons donc jouer la mélodie que les œufs de Zora nous ont appris. Si je me souviens bien, c'est la Bossa Nova des Flots, voilà. Et comment ça joue? Attends une seconde. Ok. Waouh, compliqué là. Déjà faut être en Zora. Et ensuite. Ok, d'accord. Comme ça, d'accord, très bien. Très bien. J'ai bien dormi, moi. En ouvrant les yeux, je me suis rendu compte que les jours passaient très vite. Hein, Lulu? Eh oui, Lulu. Oh, il n'y a pas de quoi être surpris. Bien que mes yeux soient fermés dans mon sommeil, je vois tout ce qui se passe dans cet océan. Lulu semble confuse. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour les vaines conversations. Alors donc, fier guerrier Zora. L'océan de la Grande Baie a besoin de ta puissance. Vite, grimpe sur mon dos. Et voilà, notre moyen de transport vers le troisième temple du jeu. Alors... faut enlever les auras. Et prendre. Voilà. Prendre le grappin pour s'accrocher au tronc des arbres. Si j'y arrive. Pas que je me trompe de touche. Au fait, je suis allé refaire la maison d'excuse. Oula. Il y en a qui s'enfonce dans le dos de la tortue. Je suis allé refaire la maison d'Escutula et comme vous pouvez le voir, le rubis en bas à gauche a changé de couleur. Il est plus bleu, il est rouge. C'est parce que j'ai enfin eu la bourse de 500 rubis. Voilà. Ça a été chiant de tout refaire, mais bon, il fallait bien le faire. Écoutez juste la musique du temple, elle est tellement bien. Ah bah on l'aura pas maintenant je crois.
Si. Écoutez la musique du temple. La musique est tellement bien. Mais là, vous vous dites, les amis, attends, c'est un temple de l'eau, à mon avis, ça va être super dur. C'est pas le temple le plus dur du jeu. Non, vraiment, c'est vraiment pas le temple le plus dur du jeu. Il a sa petite difficulté, mais c'est pas un temple qui est extrêmement dur. Croyez-moi. Donc, on va commencer par allumer les torches. Parce qu'il y a déjà une fer à récupérer, donc comme dans les autres temples. Hein. 15 fer à récupérer dans le temple. Et on va tenter toutes les récupérer. Allez, en espérant que les autres ne soient pas éteints. Eh ben, à un moment donné, les autres, elles ont dû s'éteindre. Fait chier. Celle-ci aussi, allez. Éteins-les toutes, banquier. Ça va se déplacer en fait. Voilà. Voilà. Parfait. On a déjà une fée. La première. Donc pour ce temple, c'est pas compliqué. Il faut juste pour grimper encore une fois sur son dos. Ah, elles sont venues dans celle-ci. D'accord, très bien. Il faut regrimper sur le dos de la tortue. Et après, on se retrouve directement à la péninsule Zora. Alors. Oh, une fée, trop bien. Je prends. Je vais déjà récupérer une. Là, juste vers la péninsule Zora. J'en ai récupéré une. Ça, ça nous en fait deux si jamais on meurt. Allez, on avance. Ça, c'est gentil, oui, merci. Des bombes, vas-y, je prends. Hein. On ne sait jamais. Ça peut toujours servir. Parfait. Et après, je vais vous faire découvrir le temple qui a une mécanique, bah, du coup, d'eau, vu que c'est un temple de l'eau, mais qui a une mécanique extrêmement bien foutue, je trouve. C'est Non, il a sa petite difficulté, mais il est très sympa à faire, je trouve, ce temple. Donc, on est parti, avançons. Waouh, c'est un énorme moulin. Eh oui, donc en fait, les amis, c'est ça, c'est un genre de moulin en fait ici. C'est un genre de moulin. Et en fait, ben, il y a des mécanismes un peu partout, des plateformes qui montent, qui descendent. Des trucs très sympas quoi. Oula, oula, attention, pas. On va se calmer, hein. Ouais, casse-toi. Casse-toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Je sais même plus, tiens. Ah, il faut déjà activer ça. Voilà, voilà. Plus tout au long du niveau, on va avoir des espèces de valves à bouger comme ça. Et il y en a qui sont accessibles pour le moment, il y en a qui sont pas accessibles. Donc c'est pas encore vraiment la salle principale. Là c'est vraiment juste genre l'entrée principale, on va dire. Mais c'est pas tout à fait. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Totalement pas ça. Là ça a totalement coupé le courant et il faut pas que je fasse ça. Surtout pas. Pas tout de suite en tout cas. C'est pas tout de suite qu'il faut le faire. On va juste aller récupérer la fée qui est là. Masque des fées, hop. Dabadabadaba. Viens à moi. Très bien. Alors, comment on fait? Là, vraiment, ce temple, on se souvient plus des mages. Tout ça, des grandes lignes du temple, mais pas vraiment. Pas vraiment de ce que j'ai à faire. Merci, c'est gentil.
pas vraiment de comment on fait en fait. Je me souviens. Bah là par exemple là je bug déjà parce que je sais même plus comment on passe. Tu vois, à dire à quel point. Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas fait le jeu. Mais trop bien. J'avais totalement zappé que lui donne une fée par exemple. Voilà. Genre juste. Troisième, parfait. Sur 15. C'est déjà bien. Il y en a plus dans cette salle. Ok. Alors, ah non, c'est bon, j'ai. Voilà. Il faut qu'on active ça. Ça, ça ne change pas le niveau de le. Ça ne stoppe pas les valves. Ça, ça active un courant. Donc regardez. On voit bien avec l'animation que là l'eau elle coule dans ce tuyau jaune qui est devant nous là. Vous voyez, on voit bien que l'animation montre que l'eau elle coule. Alors que dans celui-là qui est juste en face de moi, non, c'est pas ce que je vais faire. L'eau ne coule pas. Vous voyez, voilà. Et donc il faut l'activer. C'est grâce à ces trucs là qu'on débloque les valves. Donc je sais plus dans quel sens on tourne. C'est pas dans ce sens là, c'est dans l'autre. Voilà. Et là, il disparaît, ça s'active, et ça active ça. Parfait. Ça va nous permettre de passer. Oh, pas beau, c'est beau ça. Nickel. C'est pas ce que je voulais faire. Donc. Là. Putain. Le but c'est de ne pas prendre le masque du lapin. C'est pas ce que je voulais faire. Putain, c'est énervant. Et des fois le masque du lapin il peut être un peu chiant hein. Même si c'est le max plus utile du jeu des fois il peut être très relou. Parfait. On est passé. Et maintenant on va pouvoir découvrir la vraie salle. La salle principale. Je comprends ce moulin. Je comprends. Ce moulin énorme sert à faire fonctionner ce machin. Voilà, et donc ça tourne. Et ça entraîne un courant. Et courant qui nous permet pour le moment d'accéder à certaines salles, mais pas à d'autres. Donc pour le moment on va aller, je crois que c'est dans le premier, c'est celui-là, voilà. Voilà, faut aller dans ce premier tunnel. Il y a des tunnels dans lesquels on ne peut pas aller à cause de du sens du courant. Bon, on ne pourra aller que plus tard. Franchement il a vraiment une mécanique vraiment très intéressante ce donjon. Donc là ce qu'il faut faire c'est pour le moment récupérer la carte dans cette salle. Voilà. On va aller droit au but hein. Alors, là déjà c'est la carte. Ta-na-na-na. Parfait. Oh, est-ce qu'il y a des choses à faire dans cette salle? Je ne me sais même plus. On va voir hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Je dois voir, je me souviens plus trop. Parfait. Je crois pas hein. À part peut-être récupérer une fée. Mais il n'y a pas de fée je crois dans cette salle. Bon allez on continue. Alors de mémoire on a assez rapidement le petit donjon dans ce donjon. Cassez-vous. Cassez-vous. C'est un peu chiant ces trucs. Bah bute-les. Derrière toi. Fuck.
Non, Mojo. Ça me sert pas à grand chose, mais vas-y tranquille. On va prendre quand même. Là, est-ce qu'il y a un coffre par hasard? C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Parfait, c'est ce que je voulais faire. On va prendre le grappin. Ça sera plus simple. Et il y a bel et bien un coffre parce que ma manette elle vibre. Donc bah voilà. Voilà. Oh, ça c'est rare ça de se retrouver sur le coffre. Cool. C'est quoi, une fée? Je crois que c'est une fée, ouais. Combien c'est une fée? Le quatrième. Très bien, ça avance. Alors ça mène où ici? Ah très bien, d'accord, ok. Donc on avait déjà la boussole. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ça doit être la boussole à tous les coups. Attends, non, attends. La boussole. Ça doit être une clé alors en dessous. Je suppose que c'est une clé en dessous. Ouais, c'est une clé. Hop. Parfait. On va récupérer ça. Alors. Ouais, c'est une clé. C'est une clé, d'accord, très bien. Très bien. Alors. Casse-toi, toi. Leave me alone. Bitch. BH. Oh non, casse-toi, toi. Bon, ça c'est la boussole. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a besoin de les tuer eux pour avoir une fée? Je vais peut-être tenter quand même, parce qu'on sait jamais. Allez-y, bute-le. Voilà. On sait jamais, hein. Avec Nintendo, on sait jamais. Meurs-toi, toi. Eh, hey, bonjour. Ok, d'accord, tu l'as voulu. Voilà, meurs. Pas de fée. Très bien. Alors, où c'est qu'il faut aller maintenant? Je sais plus. On va au moins essayer d'aller jusqu'à la vue du donjon. Mais juste avant, j'aimerais bien savoir s'il y a une fée dans les parages ou pas. J'aimerais bien le savoir. Il y en a. Alors, où c'est qu'elle est? Je pense que c'est plus tard qu'on l'aura. Ah non, je sais où elle est. Elle est juste en dessous de moi. Normalement, elle est en dessous de moi. Dans un dépôt, là. Si je me trompe pas, c'est ça. Normalement, c'est ça. Si ma mémoire est bonne, je me trompe pas. Qu'est-ce que je disais? Il y en a encore, c'est fini, ça va très bien. Il y en a plus. Ok. Très bien. Il n'y en a plus. Bah du coup les rubis rouges, adieu, hein. Ok. Donc, vous voyez que je ne peux pas accéder à certaines pièces. Donc là on a déjà fait. Là vous voyez la porte qui est juste en dessous de moi. Enfin le portail qui est juste en dessous de moi. Je peux pas y aller parce que le courant ne me le permet pas. Donc là le seul endroit où je peux aller, je crois que c'est en bas, c'est ici, voilà. On va refaire un... Non, je peux y aller. Nickel. Alors il y a quoi ici? Ouais, bon, on se casse, hein. Y'a du courant ici? Putain, mais. Mais gros! Surface. Mais lâche-le! Surface, très bien.
C'est quoi ici? Je sais même plus ce que c'est. Là, ça sera la sortie, très bien. Ah, c'est une salle où il faut revenir plus tard avec l'objet du donjon. Qui je vous laisse deviner pour le moment quel est l'objet du donjon. Alors, c'est quoi, Taya? Qu'est-ce qu'elle veut? Si tu pouvais... Hein, ouais, d'accord. J'ai pas tout vu. Je vous avoue que j'ai pas tout lu. Ah, bah je crois que c'est l'objet du donjon qu'on va avoir là. Bouge, dégage. Ouais, ça m'a l'air d'être la porte de l'objet du donjon. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Donc, objet du donjon. Qui, dans mes souvenirs, c'est un peu casse-couille à faire ça. Je peux récupérer un peu de soin, je peux récupérer, voilà. Alors, soit je me trompe, soit c'est ce que je crois. Non, je crois que je me trompe. Non, je me trompe pas. Je me trompe pas. Très bien. Alors, comment on fait? Ah oui, c'est vrai, faut faire comme dans Ocarina of Time avec Goma. Vous vous souvenez, faut le regarder en fait. Faut le regarder dans les yeux. Chublo. Bonjour. Bon, alors c'est à la fois un peu compliqué mais à la fois juste chiant en fait. Mais sinon c'est pas le minimum le plus compliqué de la Terre. On va pas se mentir. Donc il faut je crois exploser ces trucs avec avec l'arc. Ah voilà. C'est ça qu'il faut faire. Tu peux exploser. Alors fais voler des fois d'abord, décrocher les bulles. Pour lui casser sa garde. Hop, pour l'éclater avant que ça revienne. Voilà, hop, ça utilise pas de magie. C'est bien, on lui nique ses billes là. Une fois qu'elle en a plus trop, bah tu peux lui tirer dans l'œil, mais pour le moment elle en a encore un peu trop. Ça va utiliser l'arc en fait. Ouais, c'est un peu compliqué niveau contrôle, j'ai un peu de mal. Ah voilà. Et bah là, elle va retomber son oeil, c'est trop tard, là, il a loqué un truc pour rien. Là. Ça aurait pu, mais j'ai pris un dégât. Faut étudier dans l'œil, hein, c'est tout. Hein. Alors, elle a encore beaucoup de billes ou pas? Ouais, encore quand même pas mal. Hein. Pas se mentir, c'est un peu chaud là. C'est quoi la technique déjà? Je sais même plus. Hein. Son œil. Oh non, j'y étais là. Allez, meurs. Enfin, mourrez tous là. Ah, elle va ouvrir son œil et ça va être bon. Normalement. Ouais, c'est bon. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait, mais vous voyez que c'est juste chiant en fait. Il a plus des masses d'œufs, hein. Enfin, de bulles, pardon. Ah, je dis œuf, mais non, c'est bulles. Pas œuf. Oh non, putain. Chier.
Ah, si je meurs, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression qu'ils respawnent ces œufs quand même, hein, parce qu'on est quand même des trucs pas mal. Hein. Allez, hop, prends ça. Elle en a plus beaucoup des œufs. Des œufs. Des bulles. Bref, mais compris. Bah alors c'est bon, là je crois qu'elle va. C'est un peu la phase la plus facile là. Je suis mort. Génial. Point 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 point. Bon ok, c'est génial. Alors là, si je me souviens bien, voilà, il fonce dans les murs. Et là, ah non, pas vraiment. Normalement, à un moment, il va ouvrir son œil en fonçant. Et c'est là que je pourrais tirer une flèche. Voilà, j'ai pas été assez rapide. Parce qu'il y a les autres qui m'emmerdent là. Il en reste une, et après on sera bon. Bon allez hop, je fais des conneries maintenant. On s'occupe du gros truc là. Merci pour les flèches. Ah mais putain, faut que je le lock peut-être en fait. Normalement ça pourrait être bien le lock. Voilà. Parfait. Parfait, on l'a eu. Nickel. Vous voyez que c'est pas facile hein. C'est pas facile. C'est juste chiant en fait. Bon c'est vraiment ça, c'est pas dur, dur quoi. Mais c'est juste chiant. Bon, et du coup les amis, vous l'avez peut-être deviné, l'objet du donjon n'est autre que... Eh oui, les flèches de glace. Ça signale pas assez pour enchanter vos flèches. Vous pouvez geler les ennemis et des objets et en les transformant en cubes de glace ici partout. Cela peut s'avérer très utile. Très bien, parfait. On a enfin un nouveau une nouvelle variante de flèche. J'allais dire nouvelle variante de masque, mais non, variante flèche. Parfait. Et ces flèches peuvent s'avérer très utiles. Parce qu'il me semble qu'il y a un truc à faire ici. Non. Non, non, c'est moi qui dis des conneries. Je crois que je dis des conneries. Non, c'est plus tard. J'ai rien dit. Ici, il n'y a rien à faire. Par contre, là, on va faire un petit truc avant de se quitter. On va activer un courant rouge. Qui va activer le courant dans... le courant rouge dans tout le donjon. Voilà, donc j'ai transformé monsieur en bloc de glace là. Ça va s'avérer très utile, mais c'était pas lui qu'il fallait que je transforme. Mais oh! Voilà! Monsieur, on transforme en bloc de glace. Très bien. Et. Hop. Parfait! Et on arrive ici. Non, faut tirer.
Voilà, c'est pour activer le courant de couleur rouge. L'eau elle est pas rouge hein, mais c'est juste les tuyaux qui sont de cette couleur là. Il y a trois couleurs en fait, il y a jaune, rouge et vert. Et dans le donjon faut chacun les activer les trois. Et là on a déjà activé dans à peu près tout le donjon le courant rouge. Voilà. Et maintenant on peut retourner à la salle principale. Et après on se quittera parce que le prochain épisode ça sera un petit peu plus long, un peu beaucoup plus long, je dirais. L'épisode sera un peu plus long. Et en ce moment j'ai pas trop de temps de tourner en vrai. Hein. C'est compliqué de tourner les vidéos. Voilà. Et dans le prochain épisode on pourra faire un truc qui est très utile pour la suite. Voilà. Accrocher, voilà. Et donc du coup les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si il vous a plu, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Surtout like, partage, abonnement, vous connaissez la chanson. Sur ce, c'était Commandant Rétro. Bye tout le monde.